Bonsoir et bienvenue encore une fois sur YouTube de l'Église Elim. Nous souhaitons que vous ayez passé une bonne semaine. Nous souhaitons que 2 semaines ça été bien, t'es bon et profitable à vous-même. Et nous souhaitons que vous soyez prêts pour nous capables de continuer avec l'étude. Et comme c'était promis, dans 2 semaines de ça, le 15, de ce mois, le 15 juillet, nous te promettons pour nous continuer avec ça que nous avons commencé, étude sous position de l'Église Adventiste sur l'avortement. Et c'est ça que nous allons étudier et nous allons continuer avec lui aujourd'hui et préparer pour capable poser questions, préparer pour que nous ensemble nous capables étudier et pour nous comprendre position de l'Église Adventiste et fondement biblique qui gagne la position. Donc, pendant que vous-même, dans le moment ça, vous mettez sous réseaux sociaux, et c'est ça que m'a fait là, qu'on y a tout, et vous voyez le bas amis ou pensez qu'il t'a mérité, ouais, et suivre avec nous, eh bien, n'aboyons un petit temps pour que vous capable de faire ça. N'avez vidéo pour vous-même, pour capable de partager avec tous les amis. Et moi-même, m'a fait même bagaille là également. Voilà. Voilà. Et voilà. Donc, nous allons prier pour que nous sommes capables de commencer. Et me souhaiter que vous-même, vous parlez pour que ensemble nous sommes capables d'étudier ensemble à soi. All right. Voilà. OK. Nous allons prier. Éternel, notre Dieu, notre Père, alors que nous allons méditer sur ta parole et comprendre la position de l'Église et le fondement biblique de cette position, que toi-même, Seigneur, tu nous ouvres l'esprit et que ton Saint-Esprit nous aide à comprendre. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. OK. 2 semaines de ça, nous te voyons que problème qui vient avec avortement volontaire, et nous clairement dit avortement volontaire, c'est parce que avortement spontané, et donc ce n'est pas lui-même qui fait sujet de débat, c'est avortement volontaire. Ça veut dire que les gens ont choisi que l'Ipral fait un avortement. Donc, nous avons que dans ce cas, deux principes qui en conflit. Deux principes qui présentaient et l'État mettait bouche dans la cause et Mounio qui affecté ou parler, qui principe que yoye, nous te wè, c'est principe du droit à la vie. Tout le monde gen droit à la vie. Et deuxième principe, c'est principe de liberté de choix. Moun nan gen droit choisi pour tête. Mais en même temps, tout l'État dit li gen responsabilité pour protéger moun qui vulnérable. Et yon estime que yon ti moun qui en davant, c'est yon individu qui vulnérable. Mais le problème, non, c'est que débat sous qui le yon ti moun qui nan vote considéré comme yon individu, jusqu'à présent, la débat. Gen moun ki di se lèl fèt, gen moun ki di se depi lèl li konsevwa, ça veut dire depi lèl jèm yon rencontré, gen moun ki di se lèl ke l komanse bat, gen moun ki di se lèl li ve nan pwen nan devlopman li kapab viv san asistans maman. Ça veut dire que n'y pas besoin d'un votre maman encore pour le capable de vivre. Donc, débat à l'ouvrir. Donc, pendant que tout le monde d'accord, il doit protéger la vie, tout le monde pas fin d'accord sur qui est la vie commencée. Donc, c'est là le problème. Donc, qu'on y a là, nous-mêmes qui positionnons l'Église Adventiste et préparer pour qu'on soit capable de poser des questions, préparer pour qu'on soit capable de faire intervention. Et sous chat là, dans le moment ça, nous saluons Frère Roosevelt Chalcin, nous saluons Sœur Angelaine Doréus, nous saluons Sœur Ilrose Chalcin et nous saluons Sœur Mima Bernard qui te voyait salutation que nous avons mis sous écran pour capable que vous saluez ni moi-même, ni vous-même, ni tout l'autre monde. Ça, c'est Sœur Mima, Sœur Ilrose Chalcin, nous bien Sœur Angelaine également qui voyait saluer tout le monde. Et Frère Roosevelt qui voulait saluer tout le monde également. Donc, c'est Moun Sayo qui voulait saluer nous et nous saluer également. Et l'autre Moun qui souligne, qui pas
et faire commentaire. Nous saluons nous également. Et moun qui souligne prière, l'église et l'hymne, nous saluons nous également. Donc, qu'on y a là, quelle position l'église adventiste concernant question avortement volontaire? Et femme dit nous que information que nous a partagé avec nous, c'est information qui c'est déclaration officielle qui votée le 16 octobre 2019 par conseil, comité exécutif, conférence générale, dans conseil, dans session conseil yotéyen, dans Silver Spring, Maryland, côté que c'est là que nous gagnons et bureau de l'église adventiste. Donc, le 16 octobre 2019, l'église adventiste votait, oui, yo adopté position ça. Et c'est ça que nous pral partager avec vous. Qui position yo? Faut me dire que position, hein, li basé sur 6 principes et enseignements que yo jwenn dans la Bible. Ou pral wè que la Bible lui-même n'a pas mentionné question de avortement volontaire là. Il pas parlé de lui, pas un commandement qui dit tu n'avorteras point l'enfant qui est dans le sein maternel. Pas gagné un texte qui traitait de ça, pas gagné même une histoire qui parlait de un monde qui t'est choisi pour le faire ça et puis de là nous t'a tiré quelques principes. Donc nous comprendre que Bible lui-même n'est pas nécessairement gagné tout exemple que nous-mêmes ou bien circonstance que nous-mêmes nous rencontrons journée jeudi. Donc nous pas joindre question de avortement volontaire là dans la Bible. Nous pas joindre un texte pour dire oh mais qui texte qui dit tel bagage sur avortement volontaire. Donc si au monde l'état d'où li joindre ni et bien on va faire me connaître parce que moi tout chercher me chercher, moi pourquoi joindre ni moi pas joindre ni, li pas dans la Bible là. N'est pas parler de question avortement volontaire. Mais, les nous garder principe sous la vie, façon que bon Dieu ouais bagay yo, et nous pral ouais yo là, nous vins gagner une position que l'église adventiste développe basée sous principe que les tirer de texte que nous pral partager avec yo. Qui principe que yo? Premier principe là, c'est que bon Dieu élevé kembe ba en pile valeur et li trouvé que la vie humaine sacrée. Nous pral wè ça. Deuxième principe, nous jouons que bon Dieu considéré ti moun ki poko fait comme yon la vie humaine. Troisième principe que nous trouvé les nous étudier la Bible, nous jouons que volonté bon Dieu concernant la vie li exprimé dans les 10 commandements. Très important. Et puis, nous t'a dit quatrième principe que nous gagnons, c'est que bon Dieu, c'est lui-même qui possédait la vie. Ça veut dire la vie, c'est propriété privée, bon Dieu lié. Parce que c'est simplement mandé moun pour capable gardien ou bien manager la vie. Cinquième principe, la Bible enseigne que nous devons, pour nous capables de faire soin à plus faible et monde qui vulnérable. Numéro 6, grâce mon Dieu pour promouvoir la vie dans un monde qui taché avec péché et avec l'amour. Et ça prend extrêmement important pour nous voir que qu'on y a qui nuance qui gagne. Lorsque vous approchez question avortement volontaire là, parce que nous vivons dans un monde qui marre, c'est-à-dire qui attache entaché avec péché. Donc ça veut dire situation yo pas toujours black and white, noir ou blanc. Donc since the situation are not always black and white, so we have to have certain nuance in our approach also. Donc n'a pas gardé principio
m'a mettez sous écran encore pour vous, six principes que nous trouvons dans la Bible. Et à partir de six principes, ça y est, l'Église adventiste du septième jour développer positionner sous question avortement volontaire. Donc, qu'on y a que nous arrivons là-dedans, nous pral commencer avec premier principe là. Qui premier principe? Premier principe là, c'est que mon Dieu lit elle mettait dans haut niveau. Nous t'a dit, l'y levait bien haut. Val. Et le fait que la vie humaine, l'y sacrée. La vie humaine, sacrée. Donc, nous jouons que bon Dieu mettait ça bien haut. Et l'Église adventiste expliquait que la vie humaine, c'est pi grand bagaille, bon Dieu crée. Parce que bon Dieu créait l'homme à son image et à sa ressemblance. Nous jouons ça dans Genèse, chapitre 1er et verset 27. Nous jouons encore dans Genèse, chapitre 2, verset 7. Côté que bon Dieu dit, créons l'homme à notre image. Et selon notre ressemblance. Ça veut dire, même un petit monde qui a développé en dans votre maman, c'est formé, que l'a formé dans l'image, bon Dieu. Et selon ressemblance, bon Dieu. Évidemment, on a toujours dit, les hommes pas nécessairement semblé 100% avec bon Dieu. Parce que bon Dieu, c'est esprit. Exact. Et nous-mêmes, nous, c'est la chair. Et le sang. Mais c'est bon Dieu lui-même qui dit, créons l'homme à notre image. Ça veut dire que, il y a une ressemblance, bon Dieu, dans les hommes. N'a pas rentré dans ça, on l'autre, comment est-ce que les hommes semblaient avec bon Dieu, parce que c'est pas sujet à ça, à soi, mais n'a pas accepté que bon Dieu créait l'homme à son image et à sa ressemblance. Et la Bible nous dit, il créait mal, et femelle. Donc, l'homme, c'est mâle et femelle. Ça veut dire qu'au garçon, que ou fille, ou créé à l'image de Dieu et à ressemblance, bon Dieu. Bon Dieu vient gagner un intérêt personnel dans la question les hommes dans la vie humaine. Bon Dieu gagner un intérêt personnel là-dedans, parce que c'est imaginer. Imagine si tu prends une photo au monde et pour laguer la tête ou piler. Comment le monde n'a pas senti? Parce que ce n'est pas le monde, non, que ou laguer la tête ou marcher sous lui. Mais c'est une photo au monde. Et pourtant, le monde n'a pas senti bien. Et c'est comme ça, à chaque fois que yon monde ou créer du tort à petit de mon Dieu, à yon monde, c'est bon Dieu, passe même sent-il bien. Bon Dieu, gardez li ouais, ou prend image li, et puis ou fait qualité de respectant ça avec lui. Et c'est ça qui fait que nous-mêmes, les Adventistes du septième jour, les nous connaissons que bon Dieu créait les hommes à son image et à sa ressemblance, et bien nous comprenons que bon Dieu baille les hommes, la vie humaine, en pile importance, et l'y exprimer dans façon que bon Dieu pas hésiter pour être capable de voir Jésus lui-même mourir pour capable sauver l'humanité. C'est parce que bon Dieu baille la vie humaine en pile importance. Et ça que nous voyons également dans le principe numéro un, ça également, c'est que la vie, c'est un don que mon Dieu fait aux hommes. C'est mon Dieu qui bat la vie. Jésus, c'est la vie. Jésus déclarait dans Jean, chapitre 1er et le verset 4, nous jouons que dans lui-même il y a la vie. Et que dans Jean 5 et le verset 26,
Jésus, c'est la vie même. Pas oublier que la vie a nous dit, bon Dieu fait don aux hommes. Dans Jean chapitre 11, verset 25, nous voyons bon, Jésus dit, c'est résurrection et la vie. Et dans Jean 14, verset 6, il dit même bagay là. Et Jésus dit, il baille la vie en abondance dans Jean chapitre 10 et le verset 10. Et nous, c'est bon Dieu tout qui supportait la vie. Dans Actes chapitre 17, verset 25 à 28, nous jouons ça. Et dans Colossiens 1er, verset 17, nous jouons même idée. Hébreu chapitre 1er, verset 1 à 3, ben nous, même bagay là. Côté que bon Dieu parlait avec nous et li bande petite li. Et l'esprit bon Dieu, dans Romains 8 et le verset 2, li décrit comme yon l'esprit, esprit de vie. Donc bon Dieu, li gagne en pile souci pour création, et spécialement pour les hommes qui créaient à image li et à ressemblance li. Et pour nous aller plus loin, eh bien, importance la vie humaine, l'ivine claire, les nous garder histoire, péché, Adam et Ève, dans Genèse chapitre 3. Côté que bon Dieu vient promettre pour le bail seul petit, li, pour capable racheter les hommes, de manière pour n'importe monde qui croit dans Jésus, capable de recevoir qui ça, la vie éternelle. Donc c'est bon Dieu qui bail la vie important pour mon Dieu. Et là nous continuer, nous voyons que Jésus, bon Dieu, opté pour la vie. Donc, c'est ça qui fait que Christ et moun kap suiv Christ yo, yop sorti vivant dans la mort. Christ sorti vivant dans la mort. Et moun kap suiv Christ yo, ap sorti vivant dans la mort également. Et y a gen pour vivre éternellement. Dans 1 Thessaloniciens 4, verset 15 et 16, il exprime ça. Il montre que le monde qui est en Christ a sauté vivant dans la mort. La vie a importance pour mon Dieu. Dans Apocalypse 21, verset 3, nous avons la même idée que mon Dieu pour restaurer la vie pour le temps et l'éternité. Donc, nous voyons que la vie du monde a une importance spéciale et inestimable pour mon Dieu. Et it is true in all stages of life. Dans toute étape la vie, depuis la vie a été commencé en dans votre maman, les ti moun nan fèt, li vin yon ti bébé, les vin yon ti moun kap mache, les vin yon adolescent, les vin yon adulte et même les vin yon grand moun kap mache sou bâton, la vie gen importance pour bon Dieu. Li vrai. Quel que soit sexe maintenant, quel que soit ethnicité, quel que soit statut social, quel que soit religion maintenant, quel que soit ça qui fait une différence entre moun, bon Dieu mettait importance sur la vie moun sa. Donc, laissez-nous comprendre the sanctity of life et gens que nous pas de violer droit à la vie, eh bien, nous voyons que chaque la vie humaine, yo doit traiter avec respect et avec soin. Et c'est ça qui fait que l'Église adventiste, dans le premier principe que nous avons, les nous garder toute considération, ça yo, tout texte, ça yo. Nous voyons que bon Dieu a une grosse importance à la vie et lui montrer que la vie est sacrée. Donc, c'est ça qui fait que nous-mêmes, les adventistes du septième jour, nous, avec bon Dieu, pour nous dire que la vie sacrée. Et d'après tout texte que nous sommes lis là-haut, c'est ça que nous comprenons. Et numéro 2, pendant que nous avons passé dans le principe numéro 2, je m'avais invité aussi que vous ayez une question, mettez-le dans le chat là. Donc, laissez-la nous-mêmes, nous allons répondre pour vous. Principe numéro 2. Il dit que bon Dieu considéré yon ti moun qui pon ko fèt comme yon la vie humaine. Remarquez que bon gros débat concernant qui le on moun, on ti moun qui nan dan vot, vignon individu. Mais nous même ça nous joignent dans la Bible.
nous jouons que les nous garder toute histoire. When we review all the stories that we could review, we realize that God considers the unborn baby as human life. On va poser la question, mais écoutez, nous jouons ça. That's where we're going right now. Mes déclarations, les adventistes. Lydie, la vie prénatale, c'est-à-dire la vie avant ou sortie dans votre maman, li précieux dans les yeux, mon Dieu. Dans une série de cas, mon Dieu t'a directement guidé la vie prénatale. Samson, dans Juge, chapitre 13, t'a doué yon naziréen pour mon Dieu, de bien d'avant. Serviteur bon Dieu à Esaïe, dans Esaïe 49 et le verset 1er et verset 5, lui expliquer que bon Dieu te relè pour l'on prophète depuis en dans votre maman. Ça veut dire bon Dieu te gen plan pour Esaïe depuis l'elle te en dans votre maman. Bon Jérémie lui-même, dans Jérémie chapitre 1er et le verset 5, lui dit que Jérémie t'est déjà choisi comme un prophète avant même qu'il l'ait fait. Ça veut dire, bon Dieu lui-même n'est pas limité dans la question de ou fait ou bien dans votre maman. Pour lui avoir un plan pour vous, pour lui avoir un appel que lui lancé à vous-même. Donc, Jérémie lui-même t'a choisi comme prophète depuis avant même que l'il fait. Paul, dans Galates 1er, verset 15, Galates, chapitre 1er et le verset 15, il dit que il te mettait à pas depuis avant même que il te fait. Jean-Baptiste, te doué gain l'esprit bon Dieu sous lui depuis en dans votre maman. Ça veut dire Jean-Baptiste te gain l'esprit bon Dieu sous lui pendant li en dans votre maman. Donc ça veut dire que nous voyons que bon Dieu considérait Timoun qui en dans votre maman comme une personne et qui ont vie humaine, qui a importance pour lui-même. Donc, c'est ça fait que, d'après principe numéro 2, ça, nous venons, ouais, que, y a un petit monde qui est en avant, il méritait protection. Et ceci, t'as quoi me dit, pour nous-mêmes, la vie commençait à la conception. Depuis que deux gemmes y ont rencontré, la vie a commencé. Que yon content de cœur kap bat ou pas, que ti moun nan kapab vivre indépendamment de maman ou pas, y c'est pas problème dans ça. C'est que image mon Dieu a créé en dans vent maman. Et nous te wè que Jésus lui-même, ange Gabriel, dans Luc chapitre 1er et le verset 15, li te expliqué Marie. Et dans verset 35 également, que petite sa quoi elle fait là, li sacré et lien pour le relais petit bon Dieu vivant. Donc, incarnation, mystère de l'incarnation, mais processus d'incarnation de Jésus, fait que li expérimenté la vie humaine et li expérimenté la vie humaine également au niveau prénatal. Ça veut dire avant même que li était sorti en dans votre maman. Et depuis là ça, l'idée reconnaître comme le Messie, le Fils de Dieu, et immédiatement après conception, c'est là ça, déclaration ça. Ça veut dire que pour nous, la vie commençait depuis Jamie rencontre, depuis Timounan implanté dans votre maman. La Bible t'est déjà bail des attributs à si moun qui en devant là, li parlait de la joie dans Luc 1er, verset 44. Li même parlait de un combat fraternel, rivalry, et Jean que li dit en anglais, dans Genèse 25, verset 21 à 23. Donc, nous voyons que Esaïe avec Jacob, t'es déjà en devant maman, t'es gagné yon rivalité. Moun ki pou ko fèt yo,
Yo gen yon place spécial avec bon Dieu. D'après Job 10 verset 8 à 12. Les nous aller dans Job 8 verset 10 verset Job 10 verset 8 à 12, nous joine que moun ki pou ko fèt yo, yo gen place dans plan bon Dieu. Nous joine ça également dans Job chapitre 31 les versets 13 à 15. La loi biblique montre yon gros importance pour protéger la vie. Elle considérait que sou mette la vie on ti moun ki prophète en danger ou bien la vie maman li prend comme yon gros acte violence et yon problème important que juge besoin traiter. Et notez ouais ça dans Exode 21 verset 22 à 23. Exode 21 verset 23 qui parlait que si deux moun, deux garçons abgoumé ou bien plusieurs et puis yo frappé un fiancé, comment est-ce que Maria te doit traiter ça devant juge normalement? Donc bon Dieu mettait en pile importance sous la vie en dans votre maman. Côté que dit qu'on fait choix on sait le monde depuis en dans votre. Donc ça veut dire que il y a une importance. Donc nous même tout en tant que monde par bon Dieu, en tant que petite bon Dieu, nous baille importance à la vie prénatale. When we say prenatal life, we're talking about children inside the room. Principe numéro 3. Donc jusqu'à présent, nous n'avons pas aucune question et si vous question, vous pouvez poser dans le chat là et nous sommes bien content, nous sommes campés et nous répondre à la question pour vous-même. Si jamais vous avez gagné une question, vous mettez dans le chat là. Principe numéro 3. On nous passe dans le principe numéro 3. Principe numéro 3, lui-même lui dit, bon Dieu, d'après volonté, parle, lui exprime l'importance li dans les 10 commandements. Dans les 10 commandements, nous jouons 6e commandement qui dit, tu ne tueras pas. 6e commandement clairement dit, thou shall not kill. Exode 20 et le verset 13. Si que bon Dieu considère ti moun qui en dans votre là comme yon vie humaine, donc 6e commandement appliqué à lui-même tout. Donc 6e commandement li là pour protection moun qui en dans votre cap vive en dans votre même les pourquoi vive dehors la vive en dans votre eh bien commandement dit pas tuer. Donc commandement ça vient rentrer dans question avortement tout avortement vient rentrer en bas commandement ça tout et Jésus même renforcer commandement pas tuer dans Matthieu 5 verset 21 à 22. On nous voit exactement qui ça qui dit dans Matthieu 5, verset 21 à 22. Parce que ça, c'est très important. Matthieu 5, verset 21 à 22. This is what it says. And I will read it in English first, and then we'll say it in Creole. It says, you have heard that it was said to the people long ago, you shall not murder, and anyone who murders will be subject to judgment. But I tell you, that anyone who is angry with a brother or sister will be subject to judgment. Again, anyone who says to a brother or sister, Raka, is answerable to the court. And anyone who says, you fool, will be in danger of the fire of hell. Therefore, if you are offering your gift at the altar and there remember that your brother or sister has something against you, leave your gift in front of the altar, first go and be reconciled with them. Donc, Jésus renforce le fait que commandement ça te baille dans les 10 commandements dans Exode pour dire que bon Dieu non seulement pas vle pour nous tuer, mais il va même vle pour nous mettre nous en colère yon contre l'autre. Donc, Jésus renforce la vie protégée par bon Dieu, c'est pas ça la vie à vous, ou bien habileté mon nom, ou bien utilité mon nom.
Mais c'est valeur que bon Dieu mettait sous création qui est important. Et l'amour sacrificiel que l'y placer sous lui. Vous pouvez voir que mon Dieu fait gros sacrifice. Il voit petit lui vient mourir pour l'humanité. Donc mon Dieu bail la vie importance. Et c'est ça qui fait que bon Dieu mettait le sixième commandement qui dit tu ne tueras point. Et laisse-nous continuer, laisse-nous regarder principe numéro 3 ça. Hein? N'a réfléchi sous lui. Nous jouons que Salmis là, lui fait un pile, bat un pile bravo pour la loi, bon Dieu. Mais qui ça dit? Non, Somme 119. Évidemment, nous ne pouvons pas lire tout Somme 119. Mais il dit, loi, bon Dieu, c'est bon bagay. L'a suivi, il a préservé la vie. Non, et nous voyons Exode 20, verset 13 là, lui exprimé de manière négative. Quand elle dit, tu ne tueras point. Mais si nous avons viré nos formes positives, eh bien, nous avons dit, lui dit, préserver la vie, conserver la vie, preserve life. Donc, the sixth commandment calls for preservation of life. Preservation of human life. Principe pour préserver la vie, il y a un sixième commandement. Et question avortement, vient rentrer en balle pour préserver la vie. C'est comme ça que nous comprenons en tant qu'adventiste du septième jour. C'est même bagage là tout. Nous jouons même idée que nous jouons dans Matthieu 5, côté Jésus dit, puis nous même mettez-nous en colère. Bon Dieu! Mettez la vie en bas protection spéciale lorsque li mettez dans le sixième commandement. Donc, quoi nous dit? Li pas mesuré par en question de qui sa moun nan utile, qui sa moun nan café ou bien qui sa moun nan possédé, depuis que c'est yon être humain, eh bien, li gen la vie li gen valeur devant Dieu, bon Dieu. Donc, principe numéro 3, pour nous résumer, bon, volonté, bon Dieu, concernant la vie humaine, li exprimé dans le sixième commandement, qui dit, tu ne tueras point. Qu'on y a en nous passé dans principe numéro 4. Et n'a pas avancé rapidement, li fait 8h43, et nous espérons que n'a bientôt fini. Si nous pas fini, n'a fini la prochaine fois. Principe numéro 4. Qui ça le dit? Bon Dieu, c'est lui-même qui possède la vie. C'est lui-même qui met la vie. Et tout le monde, c'est gérant, bon Dieu, que nous y sommes. C'est gérer, n'a pas géré la vie. Pas un monde qui est capable de bailler la vie. Pas un monde qui a créé le monde, sinon que bon Dieu. Donc, ça fait que personne n'a pas le droit de retirer la vie en l'autre. Donc, bon Dieu, c'est lui-même qui possédait la vie. À nous garder qui ça que nous comprenons par principe ça. Les nous garder principe ça en détail. Nous est la Bible, les Écritures enseignées que bon Dieu possédait la vie. Somme 50 verset 10 à 12 clairement dit que toute bagaille appartenait à bon Dieu. Bon Dieu guignon droit qui double sous la vie. Premièrement, parce qu'il créait la vie. Et deuxièmement, il rachetait. Dans Somme 139, verset 13 à 16, nous jouons ça clairement exprimé. Que bon Dieu, c'est lui-même qui met la vie. Yo, moun yo, appartenait à bon Dieu selon 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 19 à 20, parce que bon Dieu rachetait les hommes. Ça veut dire que tout être humain, c'est gérant toute bagaille que bon Dieu créé, toute bagaille que bon Dieu baillo, inclut propre la vie paillo. Ça veut dire propre la vie ou c'est pas propriété privée pour collier, c'est propriété bon Dieu. La vie ti moun ou yo, c'est pas propriété privée ou c'est propriété bon Dieu. La vie ti moun qui nan vente lan tout,
C'est pas propriété privée ou que lié, c'est pas propriété privée pas que lié, c'est propriété privée pas bon Dieu qui dans ciel. Et c'est ça qui fait que nous respectons la vie ça parce que nous-mêmes c'est gérant bon Dieu que nous y. C'est pas nous-mêmes qui possédons, mais c'est bon Dieu qui possède et n'a géré pour bon Dieu. Donc principe de gérance ça, lui inclut également pour nous capables de responsabilité et nous avons des choix limités. Nous avons responsabilité et nous avons des choix limités. Nous mettons 1 Corinthiens 9, verset 19 à 22 pour nous comprendre ça bien. Donc, puisque bon Dieu, c'est lui-même qui baille la vie, c'est lui-même qui possède la vie, donc les êtres humains, moun, pas de contrôle final. Sous ni tête yo, ni sous l'autre monde. Et yo ta doué préserver la vie toutes les fois que yo gen possibilité pour yo faire ça. Principe de gérance là, gérance pour la vie, obliger communauté croyant yo, inclus nous-mêmes les adventistes du septième jour, pour nous guider, pour nous supporter, pour nous bailler soin et amour, amour qui fait face à on sait des décisions difficiles les yon enceintes. Elle dit c'est mon question de chita dit oh yes faut nous préserver la vie oh yes mais faut ou même ou mettons au service de moun pour aider pour entourer et n'après loi dans principe numéro 6 là c'est ça fait que même si un moun ta va enceinte dans condition qui pas souhaitable ou bien encore qui pas selon principe. Mais c'est la vie que la portée et nous avons devoir pour nous aider à préserver la vie, ça, pour nous capables d'aider, pour que les capables aient des moyens pour prendre soin de ce monde. Donc c'est ça fait que même les nous ne doit pas d'accord avec nous dans la condition que nous vivons dans cette langue, mais nous devons soin, nous devons support parce que bon Dieu mande nous pour nous préserver la vie. Donc, moi, je souhaitais que nous comprenions ça. On nous prend principe numéro 5. Principe numéro 5, juste avant que nous rentrions là-dedans, il semblait qu'il y ait une question. Et ma mette question. Semblait que c'est pour question, semblait que c'est une déclaration. Nous gardons. Does God create life or does He give us the power to create life? Because all the thing necessary to create life is in a man and a woman. Oui, mais c'est bon Dieu qui baille. Darwin dit. Vraie minute. Alors, c'est Darwin dit qui pose des questions. Donc, c'est vrai que les hommes participaient avec bon Dieu dans la procréation, dans la continuité de la vie. Mais qui côté habileté sa sortie? C'est dans bon Dieu. Donc, c'est bon Dieu qui ban nous yon don. Qui ban nou yon capacité to procreate. So we are under the control of God. And even so, it is not something that we fully understand. It is not something that we can do outside of what God has given us. Donc, c'est ça, yon pa ka fon moun nan laboratoire. Parce que c'est bon Dieu qui baye la vie. N'a pas avancé. Principe numéro 5. Principe numéro 5, là, il dit que la Bible enseigne que nous devons bay soin à moun ki faible et à moun ki vulnérable. Et moun ki faible, moun ki vulnérable, qui est-ce qui pi faible, qui pi vulnérable par son petit moun qui en dan fè? Là, regarde nos petits bébés. Bon, même nos petits bébés fait, ou est jan vulnérable, il dépend pour bal manger, pour baigner, pour faire tout bagay. Si yon petit moun fait, li rete deux ou trois jours pour compte li la mouri. Parce que il pas ka survivre sans soin l'autre monde qui déjà plus âgé. Bon Dieu lui-même li bay soin à monde qui désavantageux, à monde qui opprimé, li protéger yo, li pas montrer partialité, li pas prend pot de vin, li pas prend cob en bas table, li administrer justice pour monde qui sans papa. Pour moun ki san mari et moun ki étranger yo bon Dieu ça li fait
li pran soin yo, li ba yo manje, li ba yo rad. An nou li Deutéronome 10 verset 17 18 pou wè comment bon Dieu vle pou nou pran soin moun ki nan bezwen, moun ki vulnérable, moun ki feb. Somme 82 verset 3 et 4 di même bagay la. Et l'apôtre Jacques lui-même dans Jacques 1er verset 27, li di la religion pure et sans tache consiste pour prendre soin moun ki nan bezwen. Et c'est ça fait que prendre soin moun ki nan bezwen, c'est yon bagay qui est extrêmement important. Et c'est ça fait que nous-mêmes adventistes du 7e jour, nous croyons que ti moun ki pon kofè, ti moun ki nan le sein maternel, yo rentre nan catégorie de moun ki besoin protection. Et nous vin senti, nous tout moun gon responsabilité pour protéger ti moun nan et de se faire aider maman qui a porté ti moun nan. Bon Dieu pa kenbe ti moun responsable pour péché papa yo selon Ézéchiel 18 et le verset 20. Bon Dieu espérait même bagala de ti moun yo tout. Et de yo appelé pour capable aider moun ki vulnérable. Moun ki pa genye bon moyen nan men yo. Bon Dieu vle pour nous aider yo. Et qui est-ce qui gen ki pa genye moyen du tout? Ti moun ki nan van. Donc nous dwe yo et protection. Jésus parle dans Matthieu chapitre 25 et le verset 40 du plus petit nan frère nou yo. Et qui est-ce qui pi petit que yon ti moun ki nan van? Gen des fois ti moun nan s'il fait prématuré ou ka kembel non sel men, ou a ti moun nan y besoin protection. Nan Acte chapitre 20 verset 35, nous jwenn principe pour aider moun ki vulnérable. Dans Somme 41, nous jouons même bagay là. Donc, Jésus voulait pour que nous pas mépriser moun ki pi pitié. Et nous capables de Matthieu 18, verset 10 à 14. Matthieu 18, verset 10 à 14, il dit c'est pour nous aider. Donc, même moun ki pi jeune, qui avait dit moun ki pou quand même fait là, il a dû compter parmi moun que Jésus dit qui pi pitié, que nous devons prendre soin yo. Nous remarquons que gagnent yon commentaire que Sœur Judith mette, il dit si bon Dieu choisit Jeremiah depuis nan vent, did he have to go through so many difficulties to the point he was exiled, disputed despite being your chosen from the womb? Juste parce que bon Dieu choisit, ou pas veut dire que ou pas faire face à difficulté, et au contraire. Nous, c'est parce que Jérémie t'a choisi même qui fait face à difficulté ça yo, c'est à cause que l'Éternel prophète pour l'Éternel. On nous prend principe numéro 6 là pour nous capable fini. Et puis n'a fait quelques considérations en après la prochaine fois basé sur principe ça. Grâce bon Dieu promouvoir la vie dans un monde qui taché avec péché et avec la mort. Donc grâce bon Dieu promouvoir la vie dans un monde côté gè péché et la mort. C'est nature bon Dieu pour le protéger, pour le préserver et supporter la vie parce que bon Dieu c'est la vie. Et en addition de providence bon Dieu sous création, il vient renforcer idée ça pour que il capable préserver la vie. Somme 103 verset 19 clairement exprimé ça. Colossiens 1er, verset 17. Hébreux 1er et le verset 3. Tout texte a montré nous que bon Dieu mettait en pile importance sous promotion de la vie, pour capable protéger la vie, pour capable encourager la vie. La Bible reconnaît que il y a une dévastation, dégradation à cause de péché sous création. Il inclut tout. Que la vie humaine, et non seulement la vie humaine, mais également le corps humain, l'est dégradé à cause de péché. Dans Romains 8, verset 20 à 24, Paul décrit impact, chute Adam et Ève là,
qui vient mettre la création dans futilité. Donc, dans un série de extrême cas, dans cas extrême et qui rare, il y a des fois ti moun qui a développé en dans votre maman. Li genye un série de problèmes qui fatal. Li genye un série de maladies qui déjà mettait la vie pâle et la vie maman en danger. Gen des fois ti moun yo gen des anomalies qui peut fait que yo pa capable gen yon vie normale. Gen ti moun ki fait sans cœur, gen yon ki fait sans nez. Donc yo gen des déformations à cause de péché. Et c'est ça m'tab expliqué nous au commencement que gen des fois et situation que moun ki ansèt la fait face à lui-même li pa noir ou blanc. Donc décision que moun nan doit faire dans dilemme sa yo côté ti moun qui a développé a déjà la ville non seulement en danger mais il des fois il mettait la vie maman en danger. Donc moun nan obligé font décision et décision sa yo ta doit gen information qui correct. Et yon doit guider par le Saint-Esprit. Yon doit guider par yon vision biblique de la vie. Et que nous sommes expliqués là-haut de 1 à 5. Parce que grâce bon Dieu, comme nous comprenons, il promouvoit la vie dans une situation qui dit problématique. Situation li tellement problématique que c'est à bon Dieu que le monde doit aller avec toute sincérité de cœur. Donc nous comprenons en tant qu'adventiste. Que gen des fois, gen des situations présentées côté que la vie maman et la vie ti moun nan en danger. Laisse ça qui ça pour faire. Qui implication qui gagne? Et c'est ça que nous pral wè la prochaine fois. La prochaine fois nous pral wè dans des cas extrêmes comme ça, dans des cas rares côté que gen des formations, côté que gen la vie ni maman ni ti moun nan qui en danger. Qui implication? Comment nous devons approcher? Et c'est ça nous pral wè. Nuance qui gagne dans la position de l'église adventiste là. Et nous sommes repassés principes de 1 à 5. Et la prochaine fois, nous prenons ensemble garder implication qui gagne à cause de principes ça. Donc, moi remercie nous et moi souhaite que nous comprenions. Et il y a des gens qui ont posé des questions à soi, moi bien content. Et moi souhaite que dans tout ça que nous dit là, nous comprenons que bon Dieu baille la vie importance. Li baille la vie importance dans tout stade la vie. Depuis les timoun nan concevoir, les nan vente, les fête, les vin timoun, les vin jeune moun, les vin grand moun, tout important pour bon Dieu. Donc la vie important pour bon Dieu et la vie obligée important pour nous-mêmes tout en tant que petit bon Dieu. Moi remercier nous pour présence nous à soya et moi souhaiter nous passer une bonne nuit et moi bon nous rendez-vous vendredi qui c'est à 5 août pour nous capable finir avec étude. N'a pas regarder implication. N'a pas regarder comment les adventistes considérer avortement comme un bagage qui en dehors de plan bon Dieu mais elle fait face à des situations qui on dit l'aime. C'est ça que nous allons voir la prochaine fois. Bonne nuit. Que bon Dieu bénisse. Éternel notre Dieu, merci de ce que nous avons chance pour repasser le principe ça. Et bonne nous opportunité pour nous approfondir au nom de Jésus, nous prions. Amen. Et si vous avez aimé, référence, si vous avez aimé, une copie de présentation, faites-nous connaître et nous sommes capables de voir le beau. Bonne nuit. Que bon Dieu bénisse. Et à vendredi prochain, qui c'est le 5 août. Bonne nuit.